Coucou les amours, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment extraordinaire. Si vous aimez le bien-être, si vous aimez les conseils matrimoniaux, si vous aimez les conseils pour sauver votre vie de couple, vous êtes à la bonne enseigne. Aujourd'hui, on va parler de l'ingrédient magique pour rendre votre homme fou amoureux de vous. Oui, vous savez, de nos jours, il y a tellement d'hommes. Mais quand vous avez le vôtre, il faut faire tout pour le garder. Quand vous avez le vôtre, il faut faire tout pour le conquérir. Dans un début, quand un homme vous voit, la première chose qui frappe, c'est le visuel. Ensuite, ce qui l'attire, c'est la manière de dialoguer. Dans un premier temps, on va évoquer l'imagination. Quand vous êtes avec un homme, il faut le laisser deviner. Il faut être spontané. Il faut créer de l'imagination. Il sera littéralement accro à vous. Il faut également amener cet homme à être séduit par votre manière de parler, votre manière de vous exprimer. Par exemple, quand vous êtes dans une relation, il faut éviter d'harceler votre partenaire. Il faut éviter d'être de trop quand vous êtes avec lui. Parce que quand vous êtes de trop dans une relation, ça pousse le mec à fuir. Par exemple, quand vous êtes dans une relation, il faut créer le suspense. Ça ne veut pas dire s'éloigner de la personne. Il ne faut pas étouffer la personne. Éviter d'étouffer la personne. Donnez-lui le temps de s'adapter à vous. Donnez-lui le temps de s'adapter à la nouvelle relation. Parce que si vous êtes avec quelqu'un, chaque jour vous faites des messages, chaque jour vous faites des appels. Quand vous faites régulièrement des appels, ça devient la routine. À un moment donné, il se lasse facilement de vous. Il faut apprendre à créer le suspense, apprendre à prendre du recul ou manquer à la personne. Quand vous manquez à la personne, là je vous dis, ça crée du suspense. On va prendre l'exemple des films. Par exemple, on parle des films de novelas, des films à Netflix. Quand, par exemple, vous regardez une série, qu'est-ce que le metteur en scène fait? Le metteur en scène fait en sorte que lorsque un épisode est sur le point de finir, il crée du suspense. Quand il crée du suspense, c'est pour vous captiver. C'est pour vous amener à regarder la suite du film avec les hommes que vous rencontrez. Essayez d'être ainsi. Essayez de créer souvent le suspense. Ne racontez pas toute votre vie. Ne racontez pas tous vos problèmes. Mettez un point d'interrogation sur certains détails de votre vie avant de l'aborder. Parce que quand on raconte tout, quand on étale tout, on n'a plus rien à découvrir. Quand vous racontez tout de vous, vous ne vous faites plus désirer. Créez le suspense. Ça donne l'occasion de craquer, ça donne l'occasion de créer du suspense dans la relation et la personne cherche à comprendre la suite. La personne cherche à tout prix à déballer le paquet. Ah oui, évidemment, dans les vies de couple, à un moment donné, on se laisse aller et on laisse s'installer la routine. Mais quand vous voulez être le centre d'attention d'un homme, comme je vous le dis, les amours, hein, évitez de tout raconter, de tout déballer, de tout dévoiler sur vous. Soyez un mystère. Parce que les hommes, ils aiment ça. Soyez un mystère. La vidéo d'aujourd'hui consistait à donner quelques ingrédients magiques pour rendre votre homme accro de vous. Dans un premier temps, nous avons parlé de l'imagination, du visuel. Du visuel, ça veut dire il faut être attrayante, attirante. Il faut créer du suspense, apprendre à le surprendre, éviter de l'étouffer, laissez-le s'adapter. Parce que toute relation a un temps d'adaptation. Évitez de laisser aller vos émotions. Laissez-le prendre son temps à sa guise, à sa volonté. Parce que dans la vie, on s'adapte à toutes les situations. Et surtout quand un homme tient à vous, vous n'avez pas besoin de lui mettre la pression. Vous n'avez pas besoin de trop en faire. Pour qu'il vous voie. Quand un homme tient à vous, il est patient.
Mais par contre, un aventurier, il court et fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il a à faire, ça sous-entend. Il veut coucher avec vous, il veut découvrir votre nudité et après, il va se barrer. Ah oui, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à les liker, de partager. J'adore les pouces bleus. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les vidéos. Notre chaîne, c'est Esti Estelle. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez. Passez une agréable soirée. Bisous, bisous.